Hey yo tout le monde, c'est Overdose, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fallout 76. Ah là là, tous ceux qui me suivent depuis un moment, ça, nostalgie, nostalgie. Les petites caméras qui tournent comme ça, ah bah oui, 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 ah là c'est à l'ancienne. Là c'est à l'ancienne, hein. on touche plus à rien, là, on va attendre ces deux putains de minutes pour que ça ne bouge plus, et puis on a une intro de ouf. Ah là là, que de souvenirs. Alors, tout d'abord, on va dire d'ailleurs, en parlant de nostalgie, je tiens à remercier tous ceux qui me suivent depuis longtemps et qui, du coup, à qui ça peut rappeler certains souvenirs. Merci à tous de continuer à regarder le let's play, même si à chaque fois on fait 4 vues sur chaque vidéo, j'en ai rien à foutre. Ouais, puisque l'essentiel de mes vues tourne sur mes tutos, mes astuces, tout ça. Par contre, hein, les let's play, les choses intéressantes, ça, on s'en cogne. Alors, Petit débrief de ce qui a pu se passer donc la dernière fois, puisque j'étais à peu près ici. Je me suis fait bloquer toujours par cette sulfurie. J'ai impossible de passer, impossible, hein. Je passe et plah, sniper. Donc du coup j'ai tout contourné, j'ai découvert ce bâtiment. D'ailleurs si vous avez l'occasion d'y passer, allez-y, honnêtement, allez-y. C'est juste immense à l'intérieur, c'est juste insane. D'ailleurs mettez-moi dans les commentaires après si vous êtes passé, comment vous avez trouvé l'intérieur. Moi honnêtement je me suis perdu, voilà, je me suis perdu. Je savais plus où j'étais, ni quel étage, ni quel couloir, ni quelle chambre, ni quel machin, c'est juste insane. Donc, pour tout ce qui est céramique, c'est juste impressionnant, il y a vraiment ce qu'il faut. Ensuite, donc, je suis allé là, j'ai commencé comme un con la quête. Je n'ai pas filmé. Je t'ai pris dedans en fait, je me suis dit je vais avancer, voilà, je vais aller là, et puis je suis allé tranquillement, je suis rentré. Donc voilà, il fallait qu'on aille au sommet du monde en écoutant une certaine radio qui nous amenait sur un message. Donc on est tombé sur une femme un peu psychopathe dans sa tête, voilà, qui nous a dit bah, en gros, si tu veux monter, bah, va te faire enculer, hein, voilà. Ok, donc on lui repose, elle nous dit, bah voilà, si tu veux monter, je veux bien, mais par contre, faut que t'ailles réparer ma radio, sa future radio qui est éclatée. Donc on se dit un petit peu, bon, mignonne, tu te moques un peu de moi, mais en même temps, on n'a pas le choix. Donc voilà, j'ai établi mon camp ici, donc parce que du coup, j'ai fait un peu le tour du coin, voilà, je suis allé visiter vite fait cet endroit là, j'avais jamais été ici, donc j'y suis allé aussi. Voilà, et c'est tout. Donc, sans plus tarder, on va reprendre notre quête. Donc, du coup, le sommet du monde, on peut pas faire grand chose dedans. Donc, il faut absolument qu'on aille ici. Chose importante, il faut que j'aille. Hop, hop, hop. Voilà. Oh là là, comment ça fait du bien! Oh, même la map, comment elle est épurée! Oh là là, c'est génial! Donc, il faut qu'on aille vraiment là-bas. Donc, on va mettre. Bon, allez, c'est pas grave. Full nord. C'est pas grave, on y va. C'est parti, on va se promener. J'espère qu'il y aura du mob là, hein, qu'on leur matraque la tronche. Au niveau des armes, quelques avancées plutôt sympathiques, hein, plutôt sympa que je vous montre ça. Donc, toc, donc j'ai toujours mon 44. J'ai maintenant un fusil à double canon, hein, pour ceux qui se rappellent de Fallout 4, c'est juste une arme impressionnante, même si j'ai pas eu vraiment l'occasion de m'en servir. J'ai maintenant un fusil à pompe avec un silencieux, c'est. Je sais pas en fait si c'est bien. Un fusil de combat, donc celui-ci on l'avait vu, donc j'ai remplacé par mon ancien fusil de chasse. J'ai toujours mon fusil pour sniper et mon petit pistolet 10 mm qui m'a sauvé le cul quelques fois. Donc le sommet du monde, c'est ce truc-là. Wow, what the fuck, what the fuck. Oh, je ne vois plus rien. Ça y est. Donc le sommet du monde, il y avait un rat de scorpion luminescent, le bâtard. Impossible à buter, impossible, j'ai dû me barrer. Niveau 30. C'était juste infernal. Quoi d'autre aussi? Je suis passé autour d'un terrain de golf avec... Il n'y a que des ghouls niveau minimum 22. Comment vous dire que j'ai plutôt morflé. Donc avec le chef des ghouls, genre le boss niveau 56. Même avec toutes mes putains de balles du monde entier, je n'aurais pas pu le tuer. Fort heureusement, il y avait avec moi, il y avait du monde. C'est-à-dire un mec niveau 70. Comment vous dire qu'il m'a plutôt bien aidé. Ok, donc là il n'y a plus personne, ça y est, t'as fini. On va pas aller looter, j'ai déjà looté ici, on va plutôt se concentrer sur notre petite mission.
en espérant ne pas tomber sur des monstres de la mort qui tuent, puisque j'ai, comment vous dire, j'ai morflé un petit peu hors vidéo. C'est très dommage que j'ai pas filmé, parce que voir un mec se chier autant dessus, c'est quelque chose d'assez improbable. Surtout quand il y a du monde et que tu sais pas où ils sont, c'est chiant. Ah, vu. Rataupe enragé. D'accord. Donc je vais me faire emmerder par une taupe. Bon, après les taupes, honnêtement, genre pisse dessus. Hein. Ah, ça c'était pas une taupe ça. Hein. Ah bah oui. Eh merde, je suis découvert. Ça part sur du one shot. Donc il y a une petite boule de poil qui est censée. Je sais pas où il va arriver. Petite taupe. J'ai pas eu peur. Allez, ça dégage. On en fait notre affaire. Faut déverrouiller. Rien n'est impossible pour Overtox. Sauf se faire pousser par une porte. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient de beau sur eux? Tac, ok. Non, je vais pas ramasser trop d'armes parce que, bon, hors vidéo, c'est pareil. Hein. Je ramasse v'là les armes. Hein. J'arrête pas. Même le bric-à-brac, hein, j'arrête pas. Sauf que bah, j'ai toujours peur en fait de me retrouver kéblo par le poids. Bon, allez, vas-y, c'est pas grave. J'ai trouvé une recette. Ok, hop. Et non, tu veux pas. Enculé. Donc là, un portoir à clé, un coffre-fort au niveau de. Putain, que ça. Eh ben, je peux pas. Manta orange. Ok, on ramasse. Y'a pas grand chose ici, on dirait. On aurait dit un hôtel, donc. Ah oui, d'accord. On aurait dit un hôtel, et je suis étonné de pas avoir de chambre. Bonjour. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Il est là! Oh l'enculé! C'est le moment de sortir le vidéo! Allez! Il est mort! Il est pas mort! Il est mort! Ça y est! Fais-moi les malins! Faites pas les marioles! Sinon je vous tue! C'est bon, tout va bien, tout va bien! RAS, la situation est sous contrôle. On va. Merde, stop! Mais. Bah, il est où? Bah. Ah, je suis un mongol? Ouais. Pas compris. Y'a pas compris. Hop, on est. C'était quoi ça? Alors, petit gars, ça va ou quoi? Il y a encore du monde. What is it? J'aime pas ce bruit, c'est un bruit de tourelle. Je sais pas ce que c'est, mais. Ah la bata. Ok, ah, les BR, on les remercie. On en donne, ça nous donne des bonnes aptitudes. Oh, une arbalète. Je m'en servirai jamais. Il paraît qu'il y a du danger. J'allais juste dire, il paraît qu'il y a du danger. Mais bien sûr qu'il y a du danger. C'est hyper dangereux. Faut pas mettre ça. Si je pouvais mettre un truc comme ça, mon gars, dans mon abri. Ah, j'aime pas ce bruit là. C'est bon, stop. Stop. Crise épileptique, machin. Cassons-nous. Alors, et gros regret aussi, je sais pas si pour vous si c'est le même cas, mais là par exemple, tac, quand tu passes un endroit, il n'y a plus marqué terminé quand t'as liquidé la zone, en fait, c'est vraiment dommage, parce que du coup, comment tu veux te rappeler de quel endroit t'as fait ou t'as pas fait, sachant qu'il y en a quand même pas mal, hein. Je tiens à dire que ça va être relativement compliqué de se rappeler exactement de tout ce qu'on peut faire. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop comment on va gérer ce merdier. Au niveau des armes, on est pas mal à peu près. Je suis étonné de pas voir un monstre de la mort qui tue ici. Je suis vraiment étonné. Pas de bois. Hop, steel pack. Ok, on en a un petit peu.
fusil à double canon, vas-y, et je le garde, je le lâche pas, sauf si jamais... sauf si jamais il y a un type qui arrive de près où il veut ma peau. Parce que je l'ai pas encore testé et je trouve ça dommage. Alors, centrale nucléaire que j'ai vu, je suis passé à côté lors de la bêta. C'est pas... Il n'y a rien de particulier, honnêtement. Faut que je descende, j'ai l'impression. Faut que je descende. Et là, on va jouer ça finaux. Pourquoi ils mettent pas des choses cachées ici, genre une cache avec 10 000 munitions de chaque, là je sais pas, il y a quand même... Il y a quand même un gars qui a créé ça, hein, on est d'accord. Je suis pas sûr, en fait, qu'ils se disent à un moment ou à un autre, je crée ça, mais pour rien, parce que jamais personne va venir, de toute façon. Bah, si. Si, il y a quelqu'un qui est venu voir ton taf, même s'il est pas très bien fait, il est quand même venu. Après, je suis un peu médisant, parce que j'aimerais bien m'y voir. Modéliser toute une map, bon, pas mon boulot, je suis pas capable. Mais je pense que si jamais si je le faisais, bah, j'essaierais de le faire un peu mieux. Parce que là, arrêtez les gars, quoi. C'est bon, regarde. Le caillou, je suis. En qualité graphique, je sais pas, je suis peut-être pas à fond, mais je suis pas omni, quoi. Et là, j'ai l'impression d'être en dessous du mini, quoi. Putain, et alors là, on est descendu plutôt facilement. Mais remonter, bah non, je sais pas, je pense que ça va pas être possible. On va devoir se TPT. Alors, il visite naturellement les lieux. On sait jamais. Bah, pas possible ça. C'est un super rat de cafard. Bon. Alors, hop là, ça se dégage. Hop, on recycle vite fait notre bric-à-brac pour éviter d'être en surpoids. On va racler cette dos parce que j'en ai rien à secouer. Une arbalète. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? On recharge. Voilà. Il va falloir, en fait. Il faut que je. Plan du répéteur. Il faut que je trouve un plan. Ah! Donc j'ai peut-être pas assez fouillé. Arrêtons-nous à l'intérieur, parce qu'on va pas laisser au hasard n'importe... Enfin, tout ce que... Ah, Steampack. On va rien laisser au hasard, parce que j'ai pas envie de passer à côté, de chercher pendant 107 ans, pour au final aller sur Google en me disant, bon, allez, c'est pas grave, on va chercher ça. Ah, ça a été plus rapide que ce que je pensais, en fait. Je perds de la vie si je saute ou pas? Tu m'as pas vu. Moi, je t'ai vu. Bon, question shoot, ça y est pas. Ok, voilà, t'as fait le malin, je t'ai allumé. Donc, il y a du dans... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est immonde. Mais il y en a pas plusieurs quand même. Oh là là, mais tapez-vous, vous avez... Tu vois bien que t'as rien à voir avec l'autre. Ah oui, il se tape pour de vrai. Hop là, Steampack, important. Ok, hein, le boss de la zone. S'il veut bien me foutre la paix. Merde. Ah là là, c'est tellement chiant que ce soit pas... Enfin, que le échappe, il t'ouvre la map. C'est relou. Alors là, on a un plastron d'armure, donc je peux pas équiper. Amador, ok. Adhésive en excès, ça c'est... comment vous dire? Je suis plutôt content d'avoir ça. On va prendre tout de suite un Radovay dilué. On va prendre le deuxième, je sais pas si ça va être utile, mais... un petit Steampack pour reprendre notre petite life. Un Medex, c'est bon, ça en prend. Il y a toi... qui donne rien. D'accord. Cartouche. Grenade cryo, je sais pas du tout si ça va être utile. Ok, j'ai cru que ça allait pas faire quelque chose. Ok, donc on a notre plan. Qu'est-ce qu'il faut? T'es chiant, toi, hein? Il faut qu'on retourne ici, du coup. Rechercher un dédoubleur. Ouais, hé.
faut arrêter. Hein. Donc il veut que je cherche autre chose, mais alors, là... Ah, faut aller ici maintenant. Putain, il fait chier. Bon, on va aller là. 11 capsules. Ratin. Où suis-je? Ah, je suis déjà passé là. C'était chiant. Ouais, si je me souviens bien, il y avait Bepeta. Attention à ces trucs-là. Vous marchez dedans, elles prennent feu. Je me souviens bien, il y avait une sentinelle que j'ai mis un temps fou à tuer. J'y ai cramé tellement de choses pour l'avoir d'ailleurs. Ça a été infernal. Donc là, on va s'équiper d'un sniper. Voilà, il y a plein de robots. L'intérêt, c'est qu'ils nous voient pas. Et je pense que dès que je pourrai, je mettrai un silencieux sur... sur le fusil sniper, parce que en fait ça fait beaucoup trop de bruit. Et du coup, t'es repère à 10 000 lieues. Donc là, quand c'est comme ça, vous restez caché. Parce que surtout que là, ils sont quelques-uns. Hein, quelques-uns, Mr. Gutsy, donc en étant au niveau 22, donc bon, tu vois, je suis niveau 17 maintenant. Comment te dire, je suis pas ouf en niveau, hein, donc. Putain, j'ai vu des mecs 110, 120! C'est une blague, quoi. Bon, bah écoute, je pensais faire des ravages, mais. Ah si, j'ai touché quand même quelqu'un! Oula, 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 là, il y a quelqu'un qui allait me voir. Quand c'est comme ça, vous checkez avec le Svav. Je sais pas ce que c'était, mais ça a pété. L'A-Bot, bon, écoute, c'est pas vraiment le problème numéro 1, mais... Ok, vous l'entendez, là? Merde! Con. Oh, j'ai fait de la merde. Bon, je disais, vous l'entendez, la petite sentinelle? Pourquoi elle... C'est long. Il me faut rire. Là-bas, il y a un A-Bot. Que j'ai raté. Je suis en danger. Je suis en danger. Ça, ça pue. Je suppose qu'un fusil à pompe, ça fera l'affaire. Ou pas. On retourne au fusil de chasse. Il a pas l'air d'être trop méchant. Alors on va lui faire... Il tire pas, donc on va rester où on est. Ça c'est bien. Je sais pas pourquoi il vient pas, mais on va profiter de ça. Et pour rester où on est. Voilà, donc d'autant plus si jamais il décède sans trop de résistance. Donc explose-t-il ou pas? Il semblerait que non. Ok, donc c'est des cellules de fusion, j'en ai quelques-unes maintenant, c'est pas mal. Hop. Donc là, j'ai mon machin. Et il faut que... Putain, faut que j'aille là maintenant, mais il faut chier. C'est pas grave, on y va. Ok, waouh, j'ai eu un petit coup de pression là, vite fait, au niveau du machin. Donc je pense qu'il faut que j'aille là, à l'est. Mais mec, mais t'es sérieux? Comment tu veux que je traverse là, là? Ok, pas de problème. Pas de problème, j'ai un plan. J'ai un plan, c'est-à-dire, on avance. Qu'est-ce que c'est que cette ombre dégueulasse? Me fais pas stresser pour rien.
Il y a une antenne. Je sais pas si c'est bien d'y aller. On va y aller quand même. On se met en course auto. J'ai trouvé le bouton de la course auto. Depuis, je revis. Franchement, c'est juste incroyable ce bouton. L'utilité est là. Elle est présente. Je sais pas par où monter. Mais on va trouver un chemin sans plus tarder. C'est-à-dire juste ici. Qui nous permet de faire le petit escalier juste là. On remarque hein, au passage que l'avion qui a explosé en a foutu partout. Ce qui n'est pas très très bien pour la planète. Il y a un village. Alors, comment vous dire? Moi je suis... Voilà, voilà, voilà. Il y a des super mutants. C'était à prévoir. Raté. Mais j'ai pas touché, mais c'est incroyable. Je suis nul. Je suis vraiment très très nul. Mais je suis dessus là, j'étais... Enfin, peut-être pas en fait. C'est fou. C'est fou ce qui se passe. Je n'arrive plus à toucher mes cibles. Je m'en sortais beaucoup mieux sur Fortnite. Est-ce que tu pourrais revenir afin que je te mette cette dernière balle? Alors qu'en fait, je suis sûr de corps à corps, mais j'aurais trop l'avantage, mais... Mais je suis une flippette. Ah, mais il est là. Merde. Ah oui, bah oui. Faut que je change ce bouton. Où êtes-vous? Ah. J'ai voulu pré-shot, j'aurais pas dû. Putain, cette visée, elle est vraiment chelou, quoi. Elle reste tout le temps au-delà de ce que je lui demande, alors... Ah, merde! Ça va. Une chasse. Quoi? Alors là, je suis pas spécialement d'accord. Voilà, tu meurs. On peut faire des kills plutôt tranquillement. Oh, jugé! Alors, ça c'est pas spécialement fair play, les gars, mais je t'ai pas eu là. J'ai encore pas eu là. J'aurais cru l'avoir touché. Ah, ben, moi je suis là, vous avez du mal à m'avoir à ce que je vois. Bah. Karma. Je sais pas pourquoi je me fais chier à tirer de si loin. Sans arme de visée. Ah, et là-haut, on a un petit boss. Qui c'est qui me tire dessus encore, là? Toi? Mais ils sont combien, là? Ok. Ça allait le faire, mais ça va pas le faire. Oula, oula, il utilise une petite arme qui me... Le type mitraillette. C'est bientôt la fin. C'est bientôt, bientôt la fin. Et il est mort. Voilà. On recharge notre matériel de survie qui consiste à les allumer. Ensuite, on récupère notre loot qui est éparpillé un peu partout, on dirait. Petit, petit, petit. Une planche. Super. Là-haut, il y a du monde à, aussi à looter. Comment tu montes? Par là. Ok. Est-ce qu'il y a des choses en bas? Plante de pommade. On récupère. Ça peut être utile. Surtout lorsqu'ils ont agrandi cette putain de cache où tu peux rien mettre dedans. C'est juste infernal d'ailleurs. Sachez que c'est prévu. Hein. Ils vont augmenter la taille. Mais bon. Pas tout de suite. Hop, on récupère tout. On s'apprête à être en surpoids. Voilà, on y est. Mais c'est pas grave, puisqu'on va rapidement trouver un atelier, je l'espère.
et pouvoir recycler. Bon, de toute façon, au point où j'en suis, je peux tout ramasser. Donc l'avion est au-dessus, donc c'est très bien, on sait où il est, c'est assez facile. Ok, donc là, il y a des choses à ramasser. Des loot à récupérer. Ok, il y a pas mal de choses. Whisky, je ne prends pas les alcools, honnêtement, ça me... Non, je trouve pas ça utile. Parce que ça apporte beaucoup de malus en... au-delà du bonus apporté, alors... Tout ça on prend, donc ça donne du verre, de la céramique, des conneries comme ça, donc c'est toujours utile. Une recette, voilà, ça dégage. Toi, tais-toi. Hop, les canettes, donc si comme dans Fallout 4, vous font du de l'aluminium, donc ramasser, c'est hyper important l'aluminium. Je dirais que c'est pour votre base en fait, c'est vraiment ce qui est le plus important. Ok, donc on a encore un étage pour aller chercher le boss. On n'y est pas encore. Ah, c'est là. Ok, ensuite, céramique, on prend. Il y a pas mal de petites choses à récupérer. Là. Ah, j'ai pris une bouteille d'alcool, tant pis. Hop, hop, faut faire attention à pas tomber, ça sera mieux. Je tiens pas à décéder maintenant. Alors, il y a pas mal de choses. Une figurine, une clé, un coffre-fort, on va déjà... Ok, là, des petites choses... Non, ah merde, je suis trop con, je me suis allongé. Donc il y a eu quand même un plan aussi. Allez, relève-toi, relève-toi, t'as pas le temps mon gars, t'as pas le temps. Sauf pour boire du café. Ah, il y a... Du verre en grosse quantité, c'est bien. Il y a une malle. Oh, fusée 40, j'en sais pas. Ok, on... Et moi en plus je regarde en bas genre... Il y a quoi ici? Un coffre-fort à ouvrir. Parfait. Qu'est-ce qu'on a? Encore des fusées, nanana. Ok, des ressources assez rares principalement, mais toujours pas d'atelier afin de réduire mon poids. C'est dommage. On fait hyper gaffe à pas tomber tout en bas comme une grosse merde. Je sais pas s'il reste du monde encore ou pas, mais... Habitant, donc toi, tu sembles ne pas l'avoir bien vécu. Casserole. Ok, là, je pense qu'on a tout pris. Bah oui, je peux plus sprinter. Oh, regardez-moi ça, les tempêtes de radiation, là. Ça, ça pique. Ça, ça pique. Pourquoi j'ai entendu comme des bruits de pas? J'ai craqué. Ok, encore une recette. Encore un coffre-fort. Eh, cet endroit est hyper riche en ressources. C'est génial. C'est génial. Ok, encore... Alors, beaucoup de munitions et de choses comme ça ici. Bah, je vous invite à y aller. Ok, voilà. On a eu des petites choses intéressantes encore. Boîte de capsules explosives, ok. Argent d'avant-guerre. Donc l'argent d'avant-guerre qui sert principalement à vous faire du tissu. Donc pour ceux qui font beaucoup de fringues, en fait, c'est là que ça vous sera utile. Ok, non. Donc on espère tomber sur des adhésives. Des adhésifs. Puisque c'est ce qui est vraiment, vraiment le plus intéressant. La bouffe, bah franchement j'en fais pas tant que ça, parce que j'en fais pas tant que ça. Voilà, j'ai pas plus d'informations à vous donner là-dessus. Simplement, j'en fais pas. Ok, donc ici on a du cadavre, donc encore d'autres sources. Nuka-Cola, encore une recette, voilà, ça continue. À poste de cuisine de tout pourri. Donc là on a quoi? On a clé de la prison. Je suppose que si jamais... Ouais, j'avais trouvé, ok. Hop, hop, hop. Et là, armurerie Horizon West. J'arrive pas à croire qu'elle ait réussi à convaincre tout le monde de mettre leurs armes sous clé dans l'armurerie qui prend la tour. Qui pend à la tour. Cette idiote mène le bal depuis que nous avons quitté Helvetia. Mais je pense qu'il est temps que ça change. J'ai volé sa clé d'armurerie, je l'ai laissée sous le pot de fleurs dans ma piole. Qu'elle essaie donc de tout décider maintenant.
Ah! Et ta piole, elle est où? Ah, attends, attends. Donc, du coup, il y avait. Là, je vois qu'il y a pas mal de pièces. Donc, c'est sans doute les pioles en question. Après, c'est possible que je l'ai ramassé sans faire attention. Hein, que je suis genre à tout ramasser. Enfin, à peu près. Plutôt une établie. Ok. Bon, je l'ai sans doute ramassé. Ou alors c'est plus haut, je sais pas. Et Helvetia, c'est où? C'est le... Ah, d'accord. D'accord, mais Helvetia, pour info, je l'ai déjà fait. J'ai tout fouillé et il n'y a rien qui... Je n'ai pu ouvrir. Bah, je pense que j'ai déjà, en fait, cette fameuse chose. Enfin, du moins, je crois. Et j'ai toujours pas d'atelier à portée de main. Ce qui, vous le comprendrez, m'embête plus ou moins, puisque je ne pourrais pas faire de déplacement rapide sans cela. Donc, ok, donc on a notre machin. Du coup, est-ce que fabriquer le répéteur, hein? Ah, il y a une établie de bricoleur. Bah, c'est pas mal, parce que du coup, on va pouvoir recycler notre matos. Du coup, sur la route, donc faut qu'on aille à l'est. Donc, on va aller à l'est. Et puis voilà quoi. Je vois aussi que ça fait déjà à peu près une trentaine de minutes que je tourne, donc hors coupure. Je vous propose qu'on s'arrête maintenant et puis je ferai le prochain épisode à la suite ou peut-être plus tard, je vais voir. En attendant, je vous dis ciao tout le monde, merci de me suivre, merci de regarder mes let's play pour ceux qui le font jusqu'au bout. En récompense du coup, je me calais à la fin de la vidéo, je vous propose un petit jeu concours, donc mettez en commentaire, je suis là depuis le début, hashtag, pas hashtag, j'en ai rien à secouer. Et parmi tous ceux qui le feront, je ferai un espèce de petit tirage au sort, le gagnant, je lui enverrai une clé d'un jeu Steam, donc aléatoire. Donc, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est des jeux qui peuvent être bien comme nuls. Souvent, je vous le dis, je vous cache pas, ils risquent d'être dans le moins bien que dans le bien. Parce que c'est des jeux à pas cher que j'arrive à avoir, entre guillemets, gratuitement. Donc, voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Et puis, voilà. On se retrouve très bientôt. Ciao tout le monde. Peace.